este amor pareciera así, donde nadie buscaba. No lo vi, sin querer llegó, se coló hasta aquí, abriéndome el alma. No me dio ni tiempo de alertarme y caí en las manos del destino, y su conspiración fue quien te acercó. J'ai enfin récupéré la mémoire. C'est bon, en fait, à vrai dire, je l'ai jamais perdue. C'est pas vrai. Si, c'est la stricte vérité, je vous assure. Mais regardez-moi, je viens parce que je dois vous demander une petite faveur. Enfin, plutôt une grande faveur, parce qu'en vérité, c'est une question de vie ou de mort. Tu as découvert mon adresse. Qui te l'a donnée, Felipe? Ça, je vous l'expliquerai après, écoutez. Qui te l'a donnée? Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est que vous me juriez sur ce que vous avez de plus cher au monde, que vous allez m'aider. Vous me le jurez? Hein? Oui? J'ai besoin de vos conseils pour la vente d'une propriété. Et particulièrement, une propriété qui est dans notre famille depuis beaucoup d'années. Mon gendre m'a présenté un acheteur, mais j'ai besoin de savoir que je ne suis pas en train de me tromper, vous voyez. Alors dis-moi, de quelle faveur tu es en train de me parler? Écoutez, je sais pas comment je me suis mise là-dedans, mais mon père ne doit rien savoir de tout ça, parce qu'il ne va pas seulement savoir que je lui ai menti, mais il va être aussi convoqué au tribunal et je peux pas lui faire ça. Calme-toi, calme-toi, car je ne comprends rien du tout. Explique-moi doucement. Ok, écoutez, je t'écoute. Votre père, oui. L'homme qui m'a renversé, je sais pas comment il a fait, mais il a trouvé mon numéro de téléphone. Mais le problème, c'est qu'il a téléphoné chez moi et je veux pas que mon père sache ce qui s'est passé. C'est pourquoi vous devez lui dire qu'il doit tout oublier, parce que je ne porterai pas plainte, ok? Allô? Bonjour, je suis bien chez mademoiselle Fernanda Pérez. Qu'est-ce que vous lui voulez? À qui je parle? Dites-moi ce que vous lui voulez. Je vous appelle de la part de maître Luis Montero. Fernanda, tu vois, tu as créé ce problème. Maintenant, tu dois le régler toute seule. Non, s'il vous plaît, docteur, attendez. Pourquoi? S'il vous plaît, aidez-moi. Promettez-moi que vous allez parler avec votre père pour qu'il oublie tout. Écoutez, vous savez pas tous les ennuis que vont avoir ma famille avec toute cette histoire. Calme-toi, 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 s'il te plaît. Ne le prends pas comme ça, ok? Ton père est un homme riche et puissant. Il pourra sûrement t'aider avec ton problème. Non, 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 c'est vous qui comprenez pas. Mon père n'a pas assez d'argent pour payer un procès ou un avocat ou quelque chose comme ça. Mais mon ami Felipe m'a dit que t'étais une fille d'une famille. Que j'étais riche? C'est pas vrai, Carlos. Vous voyez, j'ai rien du tout. C'est comme si j'étais à la rue, comme dit ma mère. Écoutez, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en prie. Aidez-moi. Mais tu étudies dans une école de filles de millionnaires, non? Felipe me l'a dit. Oui, c'est vrai que j'étudie là-bas. Mais seulement parce que je suis la fille du jardinier. Un instant, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler en privé. Allô, vous m'avez dit que maître Montero voulait me parler? Oui, madame Pérez. C'est concernant votre fille. Il veut me parler de ma fille? C'est ça. En particulier de la plainte que votre fille pense déposer contre lui.
Fernanda souhaite dénoncer son propre père. Je suis la fille du jardinier, c'est vrai. C'est pourquoi je suis dans cette école, et puis aussi parce que ma marraine est la mère supérieure, et que j'ai obtenu une bourse pour mes études. Mais je suis pas millionnaire comme vous le pensez. D'accord, mais tu ne dois pas avoir honte par rapport à ça. Avoir honte? Attendez un peu. Vous croyez que j'ai honte d'être la fille du jardinier de l'école? Non. Non, 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 vous vous trompez complètement. Je n'éprouve pas de honte à être pauvre. Parce que si je suis sûre de quelque chose, c'est que l'on vaut ce qu'on est. Et non ce que l'on oui, possède. Je le sais. Oui, je te Alors comprends. Alors quoi je te comprends. Vous croyez que contrairement aux riches, les pauvres n'ont pas de dignité? Si vous croyez que je suis complexée, alors j'ai rien à non, faire ici. Non, ça n'a rien à voir. Je sais même pas pourquoi je suis venue. Fernanda, s'il te plaît. Je suis désolée si j'ai dit quelque chose qui t'a vexée. Je ne voulais vraiment pas. Je n'avais pas l'intention de te vexer. Je te demande, s'il te plaît, de rester ici avec moi. Je vais tout faire pour t'aider. Monsieur Montero est vraiment désolé d'avoir renversé votre fille. C'était un accident, heureusement sans gravité. Vous m'avez dit que ma fille a menacé de porter plainte? Oui. C'est pour cela qu'il veut parler avec vous. D'ailleurs, attendez un moment, je vous le passe. Après toutes ces années, je vais enfin pouvoir lui parler. Alors je t'écoute, continue de me raconter. Viens ici. Alors, vas-y, je t'écoute. Vas-y, quoi? Dis-moi. Pourquoi vous riez? Mais de rien. Je suis pas un clown qui vient pour vous distraire. Vous savez quoi? C'est bon, oubliez la faveur. Parce que je suis pas venue pour de la compassion, mais pour de la compréhension, ce qui est bien différent. Viens ici. Tout ça, c'est juste pour éviter les ennuis à mon père, parce qu'en réalité, c'est un saint, mais pas un vengeur masqué. Bon, vous acceptez ou vous refusez? Écoute, je suis d'accord pour t'aider. Mais donne-moi du temps. Respire calmement et laisse-moi parler. Ok, alors. Ok, d'accord. Mais que ça reste clair, je suis pas venue m'humilier, ok? Je regrette seulement toute cette histoire que j'ai faite à l'hôpital. Et que, au début, c'était pas mon idée, c'était à cause de ma copine. Et moi, comme une idiote, je l'ai suivie et... C'est bon, ça suffit. J'ai tout compris. Arrête de parler. J'en reviens pas, qu'elle bougea. Pourquoi me taire? Écoute, si ce qui t'inquiète, c'est que ton père apprenne que tu es une menteuse, tu peux être tranquille. Rassure-toi, je vais parler avec Felipe et avec le mari de ma mère pour qu'ils oublient la plainte. D'accord? Alors si c'est tout, tu peux rester tranquille maintenant. Tu me fais confiance. Ok, alors, merci. De rien. Mince. Excusez-moi, mais il faut que je vous demande une autre faveur. Encore? Ok, alors j'accepte, car je suis une personne qui a un bon fond. Alors, dis-moi, de quoi a besoin la princesse? D'accord, en fait, pour arriver ici, j'ai dû prendre 3 bus et j'ai déjà plus d'argent. C'est pourquoi je voulais vous demander 15 pesos pour repartir. Je vis assez loin, vous savez. Et je veux pas repartir avec Fernando. Et c'était comment, Don Fernando? En marchant et en marchant encore. Vous comprenez, non? Fernando, c'était une blague, mais ça vous a pas fait... C'est bon, Fernanda. Aujourd'hui, tu ne feras pas honneur à ton nom, car je vais t'emmener jusqu'à là-bas. C'est vrai? Oui, bien sûr. Vas-y, je t'en prie. On y va. Carlos! Isabella? En fait, je ne suis pas sûr que cette proposition me convienne. Je ne doute pas de mon gendre, mais j'aimerais que vous contrôliez la proposition que me fait ce présumé acheteur. Oui, entrez. Excusez-moi de vous déranger. Maître, enfin j'ai réussi à me mettre en contact avec la maman de la fille de l'accident. Elle est en ligne. C'est bien, merci Alicia. De rien. Allez-y. Excusez-moi un petit moment. Oui? Oui, bien sûr, évidemment. Allô? Madame Pérez? Vous m'entendez? C'est Maître Luis Montero. J'ai besoin que vous écoutiez tout ce que j'ai à vous dire. Vous êtes là, Madame Pérez? Madame Pérez? Mais de quel droit tu oses encore m'appeler Madame Pérez? Je m'appelle comme ça parce que tu m'as rejetée. Parce que tu n'as pas voulu que je sois Madame Montero. Tu n'as pas voulu. Alicia,
Dites-moi, maître. Oui, nous avons été coupés ou madame a raccroché. C'est bizarre. Vous voulez que je la rappelle? Non. Non, ce n'est pas nécessaire. À ce que je vois, ils veulent la guerre, eh bien, je vais la leur donner. Vous pouvez sortir. Bien sûr, je vous laisse. Allez-y. Excusez-moi, c'est une petite affaire personnelle qui me met subitement mal à l'aise. Non, non, ne t'inquiète pas, mais si tu dois t'en occuper tout de suite... Non, 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 s'il vous plaît. En réfléchissant, cela ne vaut même pas la peine d'y penser. Ça concerne une jeune femme qui veut m'escroquer, mais elle ne sait pas face à qui elle se trouve. Une autre famille heureuse. Ma mission est de rendre la vie et la vue un peu plus joyeuse à Madame Gomez Ruiz. Et vous êtes mon moyen d'y parvenir. Voilà, allez, c'est bien ça. Pourquoi après tant d'années tu réapparais dans ma vie? Pourquoi? Pourquoi? Je me rappelle si bien de toi. Pourquoi? Tu ne peux pas réapparaître après ce que tu m'as fait. À cause de toi maintenant, je vends des crêpes au fromage pour survivre. Pourquoi? Oh, jusqu'à quand? Pourquoi tant de peine? Je ne mérite pas ça. Pourquoi? Sincèrement, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Amélia Madouce, oh, qu'est-ce qui se passe? Ne pleure pas, tu me fends le cœur. C'est pas ton problème, ne me touche pas. Oui, oui, oui. Bien sûr que si, c'est mon problème parce que tu es mon épouse et ça me regarde. Mais qu'est-ce qui se passe? À qui tu parlais? Laisse-moi en paix. Laisse-moi tranquille, ne m'approche pas. Amélia... Laisse-moi en paix. Amélia, mais tu aimes souffrir ou quoi? Ce n'est pas quelque chose que j'aime, j'ai pas choisi. Non, 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 écoute, on ne trouve pas la joie dans les objets, on la trouve dans le cœur des gens. Oh, toi et tes proverbes tirés de ces livres que te donne ta sœur. Le jour où tu comprendras que la vie est faite pour vivre en paix et en harmonie avec ceux qu'on aime, il sera déjà trop tard. Et tu seras toute seule. Pedro! Pedro! Pedro, ne me laisse pas seule! Ah non, Pedro, ne me laisse pas seule. C'est sa petite copine? Vu comment elle est orgueilleuse, je crois bien que si. Eh bien, pourquoi est-ce que tous les mecs canons sont déjà pris? Non, Carlos, tu ne m'appartiens pas, mais je suis ta fiancée et je n'aime pas arriver et te voir avec cette fille. Cette fille est la patiente que j'ai soignée hier à l'hôpital. Tu te souviens, je t'en ai parlé hier soir. C'est cette fille-là, d'accord. Oui. C'était limite pour être envoyée en pédiatrie vu son âge, tu ne crois pas? Je peux savoir pourquoi elle est ici? Elle est venue me demander une faveur. En plus, dis-moi, quelle surprise de venir me voir chez moi sans prévenir. Ta maman m'a appelée sur mon téléphone. Et comme j'étais en chemin vers l'académie, j'ai décidé de faire un détour pour aller la voir. C'est bien, je te prends pas plus de temps. Entre dans la maison, elle est dans le jardin, on se voit plus tard. Amélia! Amélia! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est devenue très étrange depuis cet appel et elle n'a pas voulu que j'écoute. Mais à qui parlait-elle enfin? Oh mon Dieu, ils se sont vus. Maintenant, ils se connaissent. Non, évidemment, il ne sait pas que c'est sa fille. Comment il aurait pu le deviner? Et de quel accident a-t-il parlé? Quelle plainte veut-elle déposer contre Louis?
Cet enfant doit m'expliquer tout ce qui s'est passé. Et maintenant. Madame Amelia, vous m'avez fait appeler ? Oui. Faites appeler immédiatement ma fille. Je dois la voir tout de suite, je dois lui parler. Fernanda ? Elle n'est pas à l'école. Comment ça, elle n'est pas là ? Elle n'a pas classe ? Si, mais après la première pause, elle n'est pas revenue. Camilla m'a dit qu'elle se sentait mal et elle est partie. Et elle vous a menti. Ou peut-être passé cette gamine. Cette Camilla, elle doit savoir où est ma fille. Je dois lui parler. Alors quoi ? Je peux te tutoyer ? Bien sûr que tu peux. À la seule condition que tu n'arrêtes jamais de sourire. Allez, c'est bon, arrête de te moquer de moi. Pour que je puisse te dire la vérité. Quelle vérité, dis-moi ? Alors écoute, en fait l'idée, c'était de soutenir de l'argent à ton... Comment dire, ton beau-père ? Le mari de ma mère. D'accord, le mari de ma mère. Oui, mais c'est entièrement la faute de ton amie. Plutôt de ta copine ? Camilla est à moitié folle, mais elle est pas méchante. C'est vrai, c'est elle qui a eu l'idée, mais après ton ami est arrivé et il a voulu mettre en place le plan. Mettre en place un plan ? Oui, c'est ça. En fait, on pensait pouvoir soutirer de l'argent au mari de ta mère. Et comme j'ai pas du tout d'argent pour m'acheter mon costume de fin d'études et un voyage que les autres filles organisent pour faire une croisière, alors j'ai été tentée. Une croisière en plus. Alors l'escroquerie devra être bonne, non ? Croisière, voyage, costume, rien d'autre. Attends, non, on n'allait pas non plus payer le voyage et les robes grâce à ça. C'est vrai que c'était mal. On n'aurait jamais dû y penser. Mais tu vas parler avec lui ? Je t'ai déjà promis que j'allais lui parler. J'ai promis ou non ? Mais crois-moi que ça va être très difficile pour moi. Alors merci. Marissa, ton fils était avec une femme là. Ils sont partis dans sa voiture juste devant moi sans même me saluer. Mais de quelle femme tu me parles ? Il ne s'est même pas donné la peine de me la présenter. Alors... Si je comprends bien, tu ne sais absolument rien d'elle. Si, 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 il m'en a parlé hier soir. C'est une étudiante qui l'a soignée à l'hôpital. Je ne sais pas, mais je suis persuadée qu'elle doit être vraiment pauvre pour arriver à l'hôpital public comme ça. Ça ne me surprendrait pas qu'elle l'ait fait exprès pour voir ce qui allait se passer entre eux. Ah, non, 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 c'est pas possible. Carlos a complètement perdu la tête, mon fils est devenu fou. Qu'est-ce qui se passe ? Marissa, c'est qui cette femme ? C'est une petite voleuse. Mon mari l'a à peine effleurée avec la voiture. Et maintenant, elle veut porter plainte. Tu vois, je te l'avais dit. Et je ne savais rien, mais juste en la voyant, on voit comment elle est. Et je ne me trompe jamais. Comment ça, elle n'est pas à l'école ? Non, je viens de te le dire, je reviens du collège, je l'ai cherchée partout. Mais est-ce que tu es sûre d'avoir bien cherché ? Et dans la classe de musique ? Je suis allée partout, j'ai déjà cherché dans toute l'école, elle n'y est pas, tu ne comprends pas ou quoi ? Où est-ce qu'elle a bien pu aller ? Comment s'est-elle échappée de son école ? Tu vois, ta fille n'en fait qu'à sa tête. Cette fois, elle va m'entendre. Et je ne te permettrai pas d'intervenir. Bien oui, j'attendais patiemment là-bas qu'arrive le bus pour rentrer et il se trouve que l'arrêt de bus est juste en face de sa maison, n'est-ce pas, docteur ? Et bon, bah du coup, il a proposé gentiment de me ramener c'est à l'école. C'est vrai, on voit de loin que c'est un gentleman. Et je vois que c'est arrangé concernant le problème, par rapport à la plainte. Oui, cela va s'arranger, aujourd'hui même. Oh, c'est vrai, j'espère, parce que si ma mère... Louisa Fernanda ! Oh mince. C'est ta mère. Où étais-tu ? Qu'est-ce que tu faisais ? Tu sais très bien qu'il est interdit d'amener des hommes à l'école, hein ? Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es vergondé ! Croyez-moi, je vais mettre toute mon énergie pour que la vente soit la plus intéressante pour vous, Monsieur Fernando. Et je suis très fier que vous ayez décidé de me consulter. Et en dehors de cette opération, sachez que je suis prêt aussi à vous conseiller si vous en avez besoin. Je vous remercie beaucoup, maître. Cela se voit que vous êtes une personne très correcte. Maman, c'est pas du tout ce que tu crois. Écoute, vous n'aviez pas à la frapper, madame. Calmez-vous, s'il vous plaît. Écoutez, madame Amelia, mon ami n'est pas un étranger. Je vais vous le présenter pour qu'il n'y ait plus de problème. J'en ai c'est rien à faire de savoir comment il s'appelle. On rentre à la maison. Il faut qu'on parle. Madame. Avance. Calmez-vous. Plus vite.
Non mais c'est pas bien, elle n'a pas à être traitée comme ça. Restez calme. Fernanda est une fille sérieuse, tout ça parce qu'elle veut défendre son père pour éviter des ennuis. Je n'imagine pas ce qui va lui arriver. Ne la traitez pas comme ça. Fernanda! Fernanda! Mais on dirait que la vendeuse de gâteaux au fromage a plus de force que le jardinier. Oui, on voit bien qu'il porte la culotte à la maison. Y a pas de doute là-dessus. Faire des gâteaux, ça muscle beaucoup. Mais de la glace pour que ça n'enfle pas. Bien vu, bien vu. Ils ont failli la relâcher vers nous. Maintenant, on voit que les gâteaux au fromage viennent de la banlieue. Fernanda! Ma mère ne s'appelle pas Madame Quesadillas. T'as intérêt à me parler autrement, sinon je te jure que... Écoute, dans cette école, je fais ce que j'ai envie parce que je paye, pas comme tout le monde. Ou tu vas faire quoi? Appeler le jardinier? Fernanda, viens ici. On rentre à la maison. Laisse parler ces imbéciles. Vas-y. Dépêche-toi! Et vous, allez-y, continuez à rire. Rira bien qui rira le dernier. Dis à Fernanda que je suis désolé pour tout ce qui vient de se passer. J'espère qu'ils ne vont pas la punir à cause de moi. Dis-lui aussi que je vais tout de suite faire la faveur qu'elle vient de me demander, ok? À plus tard. Bien sûr que nous allons nous revoir, docteur. Et bien plus vite que tu ne le crois. Alors, maintenant, on ne vous dérange pas plus. On y va, Mariana? Non, papa, tu ferais mieux de partir tout de suite avec le chauffeur parce que j'ai rendez-vous avec Hernan ici. Et après, nous irons voir Camilla. Ah, Camilla? Une fille que tu ne supportes pas? D'accord, d'accord. Tu fais comme tu veux. Je vais manger parce que je n'ai pas pris de petit déjeuner. Et je meurs de faim. À bientôt. Je vous souhaite bonne journée. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonne journée, monsieur. Merci, mademoiselle. Cet avocat paraît décent. Je crois que je peux lui faire confiance. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est bloqué? Ah, je n'y crois pas, l'ascenseur est coincé.